elle avait disparu. Comme si elle s'était, je sais pas, volatilisée. C'était trop bizarre. Non ? Non, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben moi, je pense que ton père, il nous a bien fait peur avec ses histoires de fantômes et d'appareils photo. Ah oui. Ces histoires me manquent. Je m'en souviens même plus en fait. Ouais, moi aussi. Même si elle était souvent tirée par les cheveux, hein, quand même. Et si on devait croire ton père, eh bien son appareil photo provenait d'une scène de crime datant de plus de 50 ans. Toujours d'après ton père, on aurait retrouvé l'appareil photo au pied d'une jeune femme, morte, attachée à un lit, violée puis torturée le jour de son mariage. L'appareil photo appartenait à ce monstre. Et en plus, eh ben, il n'a jamais été arrêté. Hein. Alors bien sûr, l'appareil photo, de fil en aiguille, s'est retrouvé dans les gros camps. Attends-moi. Deux petites secondes, j'ai entendu un bruit bizarre là. Je vais monter et on se rappelle demain, ok? Bisous. Ok, bisous ma puce. Il y a quelqu'un ?